conservation et 12 programmes de recherche sont accompagnés dans leur mission grâce à un budget de 3 millions d'euros. Vous aussi, vous pouvez nous aider. Devenez des héros de la conservation en parrainant votre animal préféré, comme par exemple les otaries, que vous allez admirer dans quelques instants. Pour parrainer, rendez-vous sur notre site internet ou en prenant un fascicule de parrainage en boutique, dans nos services de restauration ou à la maison Beauval Nature. N'hésitez pas à vous rendre à la maison Beauval Nature, située près du bassin des Manchots. Cet espace ludique est consacré à nos programmes de conservation. Vous y trouverez des carnets d'activités pour les enfants, des ateliers et un stand de maquillage. Incontournable dans votre visite de Beauval. Tous les fonds récoltés sont intégralement reversés à l'association Beauval Nature. Et maintenant, place à l'odyssée des lions de mer de Californie. Cette espèce, bien que non menacée dans son milieu naturel, est une véritable ambassadrice des océans, grâce à son élégance et à son agilité. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que tout le monde va bien. Je me présente, je suis Céline, et c'est moi qui vais vous guider à travers cette odyssée des lions de mer. Durant celle-ci, vous allez pouvoir observer les otaries de Californie. Elles sont toutes nées ici, à Beauval ou dans d'autres parcs zoologiques européens. Néanmoins, elles restent des animaux sauvages qui sont entraînés et non domestiqués. En effet, nous leur avons appris à nous accepter dans leur milieu et à participer à des entraînements. Tout ce que vous allez pouvoir observer aujourd'hui est rendu possible grâce à une relation de respect et de confiance mutuelle. Merci d'accueillir tout de suite nos deux soigneurs, Erwan et Manon, accompagnés de deux de nos otaries, Paco et Mel. Nous allons commencer par vous expliquer comment nous entraînons nos animaux. Il faut savoir que nous utilisons une méthode positive, c'est-à-dire que lorsque l'animal réalise correctement ce qu'on lui demande, il sera récompensé par du poisson, des caresses ou même des jeux. En revanche, s'il n'est pas coopératif, c'est pas grave. Nous passons à autre chose pour revenir vers lui lorsqu'il sera plus motivé. Pour cet entraînement, nous avons besoin de créer une forte relation avec nos animaux. Mais nous avons également besoin de deux outils indispensables. Un sifflet que nous portons tous autour du cou, ainsi qu'une target. Alors une target, qu'est-ce que c'est? C'est une cible pouvant correspondre à un bout de bambou avec un bambou coloré, que tient Manon, ou encore au point du soigneur. Lorsque nous commençons l'apprentissage, nous présentons cette cible à l'otarie. Dès qu'elle la touche, nous sifflons. Ce qui lui signifie bravo, c'est exactement ce que j'attends de toi. Et enfin, nous la récompensons. Très vite, l'animal va comprendre et apprendre à venir toucher et suivre cette cible. Dessinant le comportement à apprendre. Ou bien pour stimuler une partie du corps de l'otarie qu'on doit voir bouger afin de la guider vers le comportement désiré, comme ici avec Nel. Petit à petit, nous retirons cette cible pour la remplacer par un mot et un geste. Et voici le comportement final. Pour cet entraînement, deux choses sont essentielles. La première va être de s'adapter à chaque individu car ils sont tous différents et n'apprennent donc pas au même rythme. La seconde va être de proposer un maximum de séances diverses et variées à nos animaux afin qu'ils ne tombent pas dans une certaine routine. Il faut savoir que les otaries font partie de l'ordre des pinnipèdes, tout comme les phoques, les morses et les éléphants de mer. Les morses sont très reconnaissables par leur grande défense, comme vous pouvez le voir juste derrière moi sur notre écran. Les éléphants de mer, eux, sont très imposants et les mâles possèdent un nez en forme de trompe. Cependant, phoques et otaries sont très souvent confondus. Et je vais tout de suite vous donner trois astuces pour bien les différencier. La première différence concerne le déplacement sur le sol. Phoques et otaries ne sont pas faits physiquement de la même manière. Les otaries vont se déplacer à quatre pattes sur leur nageoire et peuvent même courir jusqu'à 25 km/h. Cependant, les phoques ne possèdent que de petites nageoires avant qui ne leur permettent pas de se soulever pour se déplacer. Et tout de suite, Nel va nous faire une petite imitation du déplacement du phoque.
Merci pour cette belle invitation. La seconde différence concerne toujours les déplacements, mais cette fois-ci dans l'eau. Les otaries vont utiliser leur grande nageoire avant pour se propulser, alors que les phoques utilisent leur nageoire arrière. Enfin, la troisième différence est visible sur la tête de nos otaries. Regardez bien, elles possèdent deux petites oreilles. Les phoques, eux, ne possèdent que deux petits orifices internes de chaque côté de la tête. Il n'est donc pas possible d'observer des oreilles chez les phoques. Nous venons d'évoquer trois différences majeures entre phoques et otaries. Mais il existe bien évidemment des points communs entre ces deux espèces. En effet, ce sont tous des mammifères qui possèdent tous du poil. Alors je vous l'accorde, il n'est pas évident à observer lorsque nos otaries sont toutes mouillées, car on pourrait croire qu'elles sont toutes lisses. Mais regardez bien, derrière moi, il s'agit du même individu, c'est Kali, une de nos femelles. Sur la photo de droite, elle est toute mouillée, alors qu'à gauche, elle est toute sèche, ce qui nous permet d'apercevoir son court pelage d'environ 1 cm. Et maintenant, nous allons voir si vous avez bien suivi. À gauche, est-ce un phoque ou une otarie? Eh oui, il s'agit d'un phoque, et donc à droite, une otarie. Bravo à vous! Parlons maintenant du cri de l'otarie que l'on appelle l'aboiement. Et pour cela, je vais tout de suite vous lancer un petit défi. Serez-vous reconnaître cet aboiement parmi trois cris d'animaux que l'on va vous faire écouter? Alors tendez l'oreille, c'est parti! Et engendrer des dégâts considérables. Ayons tous à l'esprit que n'importe quel déchet laissé à même le sol finira très certainement sa course dans les océans. Et pour éviter cela, il existe un geste très simple que tout le monde connaît, et tout de suite, Paco va nous le rappeler. Sensible à ce geste. Alors bien évidemment, nous avons appris ce comportement à nos animaux, mais malheureusement, dans la nature, la situation est bien différente puisque les poissons, les oiseaux et même les mammifères marins vont mourir en ingérant nos déchets ou en s'en mêlant dans les filets. Nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui et donc tous un rôle à jouer dans la protection de ces espèces et la préservation de notre environnement. Et cela commence tout d'abord par jeter nos déchets à la poubelle et ramasser ce que l'on voit par terre. Encore un grand merci à Paco pour ce petit appel. Certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, il y a de nombreuses formes tout autour de notre bassin. Elles nous permettent de stimuler mentalement nos otaries.
de nos deux mains, comme ceci, afin d'en contrôler l'ouverture et la fermeture. Et comme vous êtes un peu loin dans les jardins, nous vous avons fait un petit zoom de la gueule de Paco, juste derrière moi sur notre écran. Si vous vous demandez pourquoi ces dents sont toutes noires, eh bien cela est complètement normal, puisque c'est la couleur que font les tartres chez les otaries. Vous pouvez également remarquer que ces dents sont toutes pointues. Elles vont uniquement lui permettre d'attraper sa nourriture, puisque les otaries ne mâchent pas leur poisson, mais la matouille. Nous pouvons également être amenés à réaliser des examens plus complexes comme des échographies, des radiographies ou bien des prises de sang. Tout cet entraînement médical va être essentiel pour nous puisqu'il nous permet au maximum de réduire le nombre d'anesthésies qui resteront toutefois indispensables lors de vos interventions. Et c'est grâce à cela que les animaux présents en parc zoologique vivent généralement plus longtemps que dans la nature. Un grand merci à Nel et Paco pour leur participation. Simulation mentale grâce aux formes présentes autour de notre bassin. Merci à mes collègues de les avoir mélangées, car vous vous doutez bien que si elles restaient toujours à la même place, cela n'aurait pas grand intérêt pour stimuler nos otaries. Et je vous propose tout de suite de redemander à Paco d'aller toucher sa forme, qui je vous rappelle est le rond, et Nel, l'étoile. Jusqu'ici, vous avez pu voir évoluer nos otaries, observer certaines de leurs capacités. Mais vous allez le voir, elles possèdent encore de nombreuses aptitudes physiques. A tout de suite! De nos gestes comptent. Et c'est ainsi que se termine cette odyssée des lions de mer
Un grand merci à Amy, Nola, Grace, Pato et Nel. Merci à vous. Au revoir et à très bientôt.